la jeunesse du livre, elle est double. Elle est sur le fait que cette question du statut juridique du nuage m'intéressait vraiment. Mais la genèse, souvent il y a plein de genèses dans un livre. La genèse, c'est effectivement, je perds mon mari Benoît en février 2020, donc qui avait créé le Fnac Live, qui avait lieu tous les ans sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris. Et ça devait être le 10e anniversaire du Fnac Live. Il avait fait toute la programmation avant de mourir. Et il avait un peu dit à tout le monde qu'il fallait prendre soin du 10e anniversaire du Fnac Live qui devait avoir lieu en juillet 2020. Il n'a pas su qu'en mars, ce serait le confinement, que tous les festivals allaient être annulés. Et pour moi, en fait, j'avais à peu près bien tenu au moment des soins palliatifs et de la mort. Mais le moment où j'ai craqué, c'est quand j'ai appris qu'il n'y aurait pas ce festival, qu'il n'y aurait pas ce 10e anniversaire. Et pour tenir, je me suis dit, je me suis raccroché à une question. Je me suis dit, mais finalement, Benoît avait toujours peur qu'il pleuve et il n'a jamais plu pendant les 9 premières éditions. Est-ce que cette année, il va pleuvoir? Et donc, j'ai commencé à interroger plein de scientifiques pour réfléchir à la théorie de l'effet papillon. Et je voulais savoir si le dernier souffle de Benoît en février 2020 pouvait provoquer une pluie le 1er juillet 2020, au moment où le Fnac Live aurait dû commencer. Et donc, je voulais filmer ce moment. J'ai demandé notamment à Albin de la Simone de chanter seul le 1er juillet sur la place vide de l'Hôtel de Ville. Et normalement, le Fnac Live devait commencer à 17h. Il a plu à 17h. Donc ça a été pour moi, et je recevais tout le monde, plein d'amis étaient au courant, je recevais plein d'SMS parce qu'il pleuvait à 17h. Et en parallèle, j'avais été invité sur France Inter pour parler de ça. Et j'avais lancé un appel à la pluie sur France Inter pour demander à tout le monde, pendant la période du Fnac Live, de m'envoyer des vidéos de pluie. Et donc j'ai reçu plein de vidéos de pluie. Et dans ce cadre-là, il y a Monsieur Mou, l'artiste qui avait fait pleuvoir un nuage en 2011, qui m'a recontacté et qui m'a demandé si je ne pouvais pas écrire un livre autour de cet enjeu de la manipulation des nuages. Et au début, la question du... J'avais deux livres en tête, un livre sur Benoît et un livre sur les nuages. Et c'est dans un deuxième temps, un an après, que les deux projets sont devenus un projet hybride. Bah, cette forme hybride, elle vient notamment du travail avec l'éditrice, Lisa Liotto, qui, dans un premier temps, j'avais signé pour écrire un livre sur les nuages. Et j'évoquais un tout petit peu Benoît parce qu'il avait un rapport particulier aux nuages avec le Fnac Live. Et c'est vrai que c'est Lisa qui m'a poussé à gonfler ou à augmenter la partie sur Benoît. Et au fur et à mesure, les deux histoires sont devenues totalement hybrides. Et donc ça a fait ce livre hybride. Et souvent, les livres, c'est souvent... Enfin, moi, je crois beaucoup que l'écriture, c'est un travail collaboratif, un travail collectif. Et notamment avec l'éditeur. Je ne suis pas le premier à réfléchir à la question d'un statut juridique du nuage. Il y a une juriste qui s'appelle Fabienne Kirlé-Majoub qui a écrit un article en 2004 qui s'appelle « À qui appartiennent les nuages ?». Et après cet article de 2004, il y a un artiste qui s'appelle Monsieur Mou qui a décidé de faire pleuvoir un nuage dans le cadre d'une performance pour justement réfléchir à un statut juridique du nuage. C'était en 2011 et moi j'ai rencontré cet artiste en 2011. Mais donc depuis 2011, je m'intéresse à cette question du statut juridique des nuages parce qu'aujourd'hui on peut donc manipuler les nuages pour les faire pleuvoir plus rapidement et ça pose trois enjeux. Un enjeu géopolitique parce qu'il y a des pays qui disent qu'on leur a volé leurs nuages et se pose la question de savoir s'il n'y aura pas un jour une guerre des nuages. Un enjeu sanitaire, parce qu'on ne connaît pas l'impact des produits envoyés dans les nuages qui retombent sur les sols. Puis il y a un enjeu également environnemental. Quand on pense à la théorie de l'effet papillon, on peut se dire que ce n'est pas totalement anodin de manipuler un nuage. Et aujourd'hui, il n'y a pas de loi internationale sur les nuages, si bien que chaque pays peut faire un peu ce qu'il veut sur les nuages qui survolent son territoire, alors même que ça a un impact sur l'ensemble du globe, d'où la question du statut juridique des nuages. Alors je ne sais pas si ça peut aboutir, en tout cas moi mon enjeu c'était de proposer une action poétique pour réfléchir à une action juridique. Donc cette action poétique c'était de créer la journée internationale des nuages le 29 mars et à cette occasion de proposer à tout le monde de s'allonger sur l'herbe, de regarder les nuages et d'écrire ce que l'on voit. Et cette expérience littéraire collective pour moi c'est une pétition poétique
pour demander à l'ONU de faire une loi internationale sur les nuages. Je me donne 10 ans pour que ça marche. Maintenant, est-ce que ça marchera? On verra.